Et nous allons parler du communautarisme, de l'islamisme et du terrorisme. Euh, le communautarisme qui euh, est de plus en plus important en France et qui euh, réalise un, un réel terrorisme intellectuel, notamment sur les élus locaux lorsqu'ils osent le combattre. Et il y a de nombreux exemples encore récemment. Pour en parler, j'appelle plusieurs de nos élus locaux, Stéphane Ravier, Philippe Lothio, Valérie Lopi et également Gaëtan Dussausset. Et avant de vous présenter nos intervenants, que vous connaissez pour la plupart d'entre eux en tout cas, euh, je vous rappelle qu'il y a plusieurs tables rondes en même temps que celle-ci. Deux tables rondes se déroulent euh, et vont commencer dans quelques instants au Palais des Arts, donc en face de ce Palais des événements. Salle Fitéas, donc les régions au service des entreprises créatrices d'emplois. Euh, table ronde dirigée par Christophe Boudot notre tête de liste aux élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, avec également Dominique Bourse-Provence, responsable du Cercle Front Syndical, et Antoine Méliès, président du collectif Audace. Et à cette heure-ci, également, en salle Eutimène, les régions au service de votre santé, table ronde dirigée par notre député français au Parlement européen, Joël Mélin, coordinatrice nationale des CAP, par Mireille Dornano, députée européenne, présidente de Solidarité française, et Pierre Delacroix, également président de la CME, euh, et euh, voilà. donc, nous avons ici même une table ronde sur le communautarisme, l'islamisme et le terrorisme. Pour l'animer, donc euh, vous l'avez vu ce matin et vous le connaissez bien, notre régional de l'État, Stéphane Ravier, sénateur-maire du 7e secteur de Marseille, Valérie Lopi. Valérie Lopi est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, élue également à Tarascon. Elle est vice-présidente du collectif Racine et directrice d'école. Philippe Lotio, directeur général des services de la mairie de Fréjus. Et qui représente également le Front National en Avignon, où il est élu au conseil municipal. Et enfin, directeur national du FNJ, vous le connaissez également, Gaëtan Dussosset. Et pour animer cette table ronde, je laisse la parole à Stéphane Ravier, Philippe Lotiot. Merci et à tout à l'heure. Ni Stéphane Ravier, ni Philippe Lothiaud. C'est la directrice d'école qui vous parle en premier. Alors, communautarisme, islamisme, terrorisme, eh bien, ça peut paraître des gros mots hein, aujourd'hui dans, dans ce qu'on a le droit de dire. On a encore. Ces gros mots, mais euh, on va vous parler d'abord du communautarisme, parce que je pense que justement, à force d'avoir de, de, un langage très euh, amadoué, très relatif, eh bien, on a du mal à se représenter ce qu'est exactement le communautarisme. Alors, peut-être que Philippe Lotio, tu vas nous donner la définition du, du, du communautarisme. C'est un peu difficile de parler de définition. Le communautarisme, en fait, est, est, est un terme qui, en France, il faut le savoir, est assez récent. Il y a 20 ans ou 30 ans, on ne parlait pas de communautarisme. Le communautarisme, c'est plutôt un terme qui était anglo-saxon. Et en fait, à une exception très simple, ça veut dire que euh, le fait de faire partie d'une communauté ethnique, raciale, religieuse, sociale, etc., prévaut sur, quelque part, L'intérêt général, les lois de l'État. Et c'est-à-dire que je, dois être, je suis communautariste, c'est-à-dire que je dois être considéré par mon appartenance à ma communauté X ou Y, et non pas par rapport au fait que je suis un citoyen en l'espèce français. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement développé. C'est quelque chose qui, par exemple, a une conséquence immédiate c'est la discrimination positive. C'est quelque chose qui a été développé par les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que quand vous. Par exemple, il faut trouver 10 personnes les meilleurs parmi mille ben nous en france on va tendance à dire ben on va trouver les dix meilleurs parmi les mille et dans un certain nombre de pays on ne trouve pas les dix meilleurs parmi les mille il faut qu'on ait cinq de cette communauté là trois de cette communauté là un de cette autre communauté etc. et quand je dis en france on ne faisait pas ça jusqu'ici malheureusement c'est que petit à petit on est en train de tendre à le faire. Le pays qui a, il faut bien se dire que le pays qui, a la rigueur, a le mieux implanté le communautarisme, c'était le Liban, à une certaine époque. C'est-à-dire que les postes étaient répartis en fonction des religions, des positions dans la religion, etc. On a vu ce que ça, on a, vu ce que ça a donné. Donc, si vous voulez, le communautarisme, c'est vraiment cette idée de dire je sors de la loi, en l'espèce de la République, pour faire prévaloir. Ma croyance, ma foi en l'espèce, c'est ça. Et je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais prendre un exemple. Le fait de se regrouper dans des quartiers pour des populations d'origine immigrée, c'est quelque chose qui a toujours existé de tout temps. Quand on prend, moi je suis d'origine l'origine du Nord, quand on prend l'immigration polonaise, quand on prend l'immigration italienne dans le Sud, quand on prend même les immigrations d'Afrique du Nord ou d'Afrique fin des années 50, je veux dire, et puis j'ai vécu à l'étranger. Quand on arrive à l'étranger, on a tendance à se regrouper en fonction de sa nationalité, son origine, etc. C'est quelque chose qui est normal, a priori. Mais si on se regroupe, toutes les immigrations qui sont venues en France pendant un moment se sont regroupées, mais traditionnellement, mais avec envie de s'intégrer. Et là, pourquoi on parle de communautarisme Parce qu'on est sur des populations qui se regroupent, qui n'ont plus, et ça c'est gênant, qui n'ont plus cette envie de s'intégrer. Et notamment, et ce qui est quand même un des, j'en terminerai par là, un des phénomènes, on voit les immigrés dits de première génération qui avaient cette envie de s'intégrer, qui avaient cette envie de participer à la société française et de m'appliquer les règles. Et aujourd'hui, ce sont des immigrés dits de deuxième et de troisième génération qui rejettent ces règles, alors même qu'ils sont français. Et ce qui pose fondamentalement, d'ailleurs, la question du droit du sol. Voilà, euh, elle a été posée. Le droit du sol, c'est la question que nous devons nous poser et à laquelle Marine répond clairement. Et si nous sommes dans cette problématique de communautarisme, eh c'est parce qu'il faut parler avant tout d'immigration. Et c'est bien sûr le, le taux d'immigration et le nombre d'immigrés qui affluent qui causent un réel problème et qui bien sûr, va, être, va entraîner les revendications que ces communautés imposent actuellement. Donc, Stéphane, est-ce que tu veux bien parler de ce phénomène d'immigration D'ailleurs, si aujourd'hui nous employons, enfin, si les médias emploient le mot migration, c'est qu'on a de plus en plus de mal à, à dire la vérité sur ce phénomène d'immigration qui est absolument colossal. Oui, merci Valérie, merci Philippe. Effectivement, le communautarisme, l'islamisme, le terrorisme ne sont que des conséquences logiques d'une immigration, d'une politique d'immigration massive que le Front National avait dénoncé ou a dénoncé il y a un certain nombre de décennies. Je me rappelle avoir entendu non loin d'ici, au stade Vélodrome, pardonnez-moi, mais c'est là que je l'ai entendu. Il euh, n'y a pas de quoi être fier en ce moment du stade Vélodrome, soit dit en passant, mais euh, le président du Front National de rappeler la déclaration d'un certain Ouari Boumedienne, président de la République démocratique d'Algérie, et qui avait euh, annoncé à la tribune de l'ONU, à la fin des années 60, le temps est proche où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord, cette immigration ne sera ni fraternelle ni pacifique. Et de compléter ce propos comme étant une, une, la logique... Opinion. Oui, non, sans opinion, oui. La conséquence de cette immigration massive par la déclaration de celui qui était en 1986 un des chefs du Hezbollah libanais, monsieur... Oh, J'ai oublié son nom. En tout cas, qui avait déclaré, Dans vingt ans, c'est sûr, dans vingt ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Eh bien, si la France n'est pas encore, pas encore, une république islamique, il faut bien quand même reconnaître, pour celles et ceux qui veulent bien ouvrir les yeux, pour celles et ceux qui euh, se fient à leur quotidien, à ce qu'ils ont sous les yeux chaque jour dans leur ville, et voire même leur village désormais. Cette conséquence justement de politique d'immigration massive et qui a fait entrer dans notre pays officiellement près de 300, plus de 300, 300 000 étrangers chaque année, sans compter les clandestins. Donc cette immigration qui a été, je le rappelle, voulue par un certain patronat pour faire pression sur les salaires, que les étrangers sachent que les responsables politiques de gauche et de droite qui tiennent des discours droits de l'homiste des discours de tolérance et de vivre ensemble en réalité ils s'en moquent complètement. les responsables politiques sont aux ordres d'un certain patronat qui a souhaité et qui continue de souhaiter on l'a encore lu il y a pas longtemps dans la presse faire venir dans notre pays des travailleurs étrangers taillables et corvéables à merci faisant encore une fois pression sur les salaires. eh bien cette immigration massive persuadée que l'assimilation qu'avaient qu connue les vagues d'étrangers précédentes, des Italiens, les Polonais, je suis fils d'une Italienne, moi, mais je n'ai jamais entendu parler italien chez moi. L on ne m'a jamais dit ton pays c'est l'Italie on m'a répété ton pays c'est la France. Et mes grands et mes grands-parents ont tout de suite compris. Que ce pays leur avait offert un travail, un toit et une protection, et je ne les ai jamais entendus prononcer un seul mot en italien, convaincus qu'il fallait qu'ils rendent à un moment donné la monnaie, que c'était un effort qu'ils devaient fournir, que d'abandonner une partie d'eux-mêmes, qu'il fallait euh, s'assimiler, qu'il fallait faire de la France son, son propre pays désormais. Ceci s'est passé assez naturellement avec les vagues d'immigrés venant d'étrangers nos cousins européens. Et puis au milieu des années 70, l'on a ouvert les vannes. Et c'est bien la droite qui a ouvert les vannes, ne l'oublions jamais. Il est certain que la gauche ne les a pas refermées, mais c'est bien la droite qui a toujours été aux ordres de ce patronat et qui a continué à l'être sous Nicolas Sarkozy puisque c'est lui qui a fait venir dans notre pays, encore plus d'étrangers que ne l'avait fait Lionel Jospin. Alors, dans ces conditions d'immigration massive et des populations aux mœurs, aux traditions, aux cultes radicalement différents, il était évidemment beaucoup plus compliqué que cette assimilation, pour que cette assimilation se fasse. Alors, ensuite, on nous a parlé, puisque l'assimilation n'était plus possible, d'intégration. L'intégration étant, elle aussi, un échec, l'on nous parle aujourd'hui de vivre ensemble, de vivre ensemble à la mode anglo-saxonne, avec ces communautés qui vivraient les unes à côté des autres, les unes avec les autres, convaincues que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, que tout le monde peut se supporter. Or, ce n'est pas le cas, car lorsque l'on devient majoritaire dans ces populations, dans les quartiers, dans les arrondissements et dans les villes, eh bien, l'on retrouve là le même schéma, le même quotidien que l'on a laissé au pays d'origine. Et pourquoi ferait-on l'effort de s'intégrer Puisque les responsables politiques, tant de droite que de gauche, leur disent Mais ne vous intégrez pas, ne, vous nous enrichissez par, nos, par vos différences. C'est vrai que nous sommes tellement nuls, nous sommes tellement mauvais, nous n'avons pas d'histoire. Comment ferait-on sans ces vagues migratoires Eh bien, le. L'origine de ce communautarisme qui, aujourd'hui, entraîne un développement de l'islamisme et du terrorisme, l'origine, c'est bien la politique d'immigration qui n'en finit pas. Au contraire, on le voit aujourd'hui, puisque c'est désormais l'ONU qui se mêle de nos affaires et qui veut nous imposer des quotas d'étrangers. Nous avons entendu ce matin notre ami Le Breton qui nous annonce 50 millions d'étrangers. Sur le territoire européen avant les années 2060. Donc il y a là tous les, les germes pour euh, que notre société, notre pays se fragmente plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui, à condition, ou à l'exception plutôt, euh, si les électeurs le veulent bien, si les Français le souhaitent, s'ils veulent rester Français en France, dans une France française. Eh bien, ils savent ce qu'il leur reste à faire en 2017. Et dès 2015 aux élections régionales, avec Marion en particulier. Merci Stéphane. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et avant de donner la parole à Gaëtan, j'ai retenu particulièrement que tu as dit. Qu'il euh, n'y avait même plus la volonté d'intégrer. Il y a eu l'assimilation. On a dit ça marche pas. Donc faisons de l'intégration. Et moi, du, du, de mon regard de l'école, je crois qu'il y a maintenant une volonté même de faire une école pour cette communauté qui arrive déjà en masse. C'est-à-dire que moi, ce que je constate année après année, et particulièrement cette année 2014-2015, eh bien. Les enfants arrivent à l'école sans savoir parler le français. Donc bien sûr, nous sommes obligés de les, de les inscrire à l'école. Et puis, les mamans qui sont euh, quasiment, pour une grande majorité en tout cas, autour de mon école ZEP, eh bien, la majorité des mamans sont des mamans voilées qui ne parlent pas le français aux abords de l'école de la République française. Et puis. Je me dis, est-ce que finalement, nos ministres de l'Éducation nationale, Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'ils ont la volonté de faire en sorte que l'école de la République française demeure l'école de la République française Je me pose vraiment la question parce que... Au moment où Najat Vallaud-Belkacem a dit que finalement les mamans pouvaient accompagner les enfants en sortie scolaire voilée, eh bien le phénomène flagrant qui s'est produit, c'est que celles qui sont venues accompagner les enfants, c'était justement celles qui étaient voilées. Et elle dit que euh, la laïcité doit être respectée et ça a créé exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui l'école pour cette communauté. Et d'autre part, il faut savoir aussi que dans la plupart des écoles en ZEP, en tout cas dans la mienne, il y a des cours d'arabe qui sont institués le soir après la classe. Donc, il me semble que ce que nous dit... C'est la réalité. Donc, il me semble ce que nous dit Mme Najat Valo Belkacem, qui prône la laïcité et qui dit qu'elle ne tolérera aucune incivilité. En tout cas, elle a plutôt entraîné effectivement l'effet inverse. Il faut savoir aussi que le Haut Comité à l'intégration, qui existait, d'ailleurs, c'est les socialistes qui l'ont créé, c'est Michel Rocard qui l'a créé, a été supprimé en 2012 par Jean-Marc Hérault, parce que justement, il y a une, une énorme omerta qui règne par rapport à ce phénomène. On n'a pas le droit de dire qu'il y a une montée du communautarisme à l'école, qu'il y a une montée du communautarisme dans cette société. Effectivement, le mieux, c'est de supprimer les rapports qui le disent. Mais euh, le malheur, je me dis, c'est qu'aujourd'hui, les parents d'élèves, les enseignants, ne le disent pas non plus ne conteste pas euh, véritablement ben, les cours d'arabe à l'école alors que, alors que nous en sommes réellement victimes. Je vais laisser la parole à Gaëtan avant euh, de, de, de refaire un tour, un tour de table. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu vois dans la jeunesse euh, au niveau de, de, de cette montée du communautarisme Merci Valérie. Alors, je crois qu'on peut l'applaudir. Avant même de vous parler de ce que l'on peut constater dans la jeunesse de France actuelle, moi j'aimerais vous dire ce que j'ai vu ce matin à la télévision. J'allume, je tombe sur des chaînes dont d'habitude j'essaye de, de ne pas trop regarder, mais vous savez, quand on n'a pas d'informations, quand on n'a pas la presse papier sous soi, bah, la première chose qu'on fait c'est d'allumer sa télévision, et même si on sait que les informations ne sont pas forcément des plus fiables, eh c'est la moindre des choses que nous pouvons avoir pour nous renseigner. Et donc je suis tombé sur plusieurs sinistres, sur plusieurs ministres, appelez-les comme vous voulez qui réagissait face à l'image d'un enfant mort, qui réagissait face au nombre de bateaux de clandestins qui arrivent par dizaines de milliers et centaines de milliers chaque jour depuis maintenant le début de l'année sur notre territoire. Et finalement quand j'ai entendu, entendu les réactions, les non-réponses vis-à-vis de cette crise migratoire, eh bien, il m'est revenu dans la tête une chanson qu'on nous obligeait à chanter à l'école lors de, de la fête scolaire, dans la cours de récréation, c'était ce refrain qu'on doit aux poppies. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Non, non, rien a changé, tout, tout a continué. Et malheureusement, c'est bien le cas. Malheureusement, si vous regardez, l'immobilisme de la gauche, l'immobilisme de la droite, n'a pas changé d'un iota face à l'immigration massive, n'a pas changé d'un iota face au communautarisme, et n'a pas changé d'un iota face à l'islamisme, face au terrorisme islamiste qui sévit sur notre sol. Rien n'a changé, tout a continué. Aujourd'hui, moi, je n'ai que 21 ans, je fais partie d'une génération qui vit au quotidien l'impératif de la repentance l'insécurité les agressions les insultes et surtout la peur que demain la france ne soit plus voilà la réalité dans laquelle vivent les jeunes au quotidien. je fais partie de cette génération qui, à qui pardon euh, on demande de s'habituer à vivre avec le terrorisme islamiste comme l'avait demandé l'infâme monsieur valls. rendez vous en compte! je fais partie encore de cette génération qui voit le communautarisme gangréner toutes les parties possibles de notre société. Que ce soit nos rues, nos quartiers, nos banlieues, nos villages de campagne et même les institutions même de notre société, je pense évidemment à nos universités. Il y a un triste exemple qui existe du côté de l'IUT de Saint-Denis. Alors évidemment, quand je parle de Saint-Denis, je ne vous parle pas du premier évêque de Paris, le premier évêque de cette ville devenue capitale de la France, mais bien de ce département connu pour ses, son taux d'insécurité record. Je pense évidemment au département appelé le 9-3-93 Seine-Saint-Denis. Eh bien, dans cette IUT de Saint-Denis, les étudiants, nos étudiants, ont fait les frais d'un communautarisme les plus arrogants, les plus méprisants vis-à-vis -vis de la loi, vis-à-vis -vis de la laïcité, vis-à-vis -vis de la République française. J'ai une petite liste avec moi de faits qui, se sont, qui ont eu lieu directement dans l'IUT. On a eu des prières musulmanes dans les salles de cours, il faut le savoir. On a eu, en plus de ça, des distributions, ou plutôt des ventes de sandwichs halal par une association très mal nommée, l'Ouverture. On a eu encore la nomination d'un directeur de département qui, figurez-vous, quelle est la première chose qu'il a fait une fois qu'il est arrivé à la tête du département dans cette université Eh bien, il a renvoyé six directeurs d'études, six femmes. Qu'a fait le gouvernement ben Évidemment, je vous laisse deviner, absolument rien. Absolument rien, comme à son habitude, il a gardé, il a gardé les yeux grands fermés, il a fait semblant de ne rien entendre, de ne rien voir, alors que pourtant les revendications communautaires se font de plus en plus importantes sur notre sol. Donc vous le savez, et d'ailleurs nous nous le savons, le communautarisme est un terreau extrêmement favorable pour sa frange la plus radicale, sa frange la plus extrême. Je pense évidemment aux fondamentalistes islamistes. C'est une évidence, mais apparemment ça en choque quelques-uns quand on dit que le fondamentaliste n'est pas tombé du ciel en France. Évidemment, il est le résultat de quarante années d'immigration massive. Il est le résultat d'une non-assimilation de ces populations et par conséquent d'un communautarisme arrogant. Mais le fondamentaliste islamiste vient aussi d'ailleurs. Et moi, je ne suis absolument pas désolé d'en choquer quelques-uns quand je m'interroge sur l'identité et sur les intentions de ces centaines de milliers de clandestins qui arrivent sur notre sol. Mais alors là, attention, surtout attention, là, quand vous dites quelque chose comme ça, on va vous dire « Non mais attendez, il fuit la mort, il fuit les persécutions d'un gouvernement. » Mais justement, qui est persécuté actuellement en Syrie si ce n'est les fondamentalistes eux-mêmes Qui est arrivé au pouvoir en Libye Lorsqu'on a condamné le gouvernement de M. Kadhafi, lorsque le pyromane Sarkozy a permis aux fondamentalistes islamistes, justement, d'arriver à la tête de la Libye. Eh bien, moi, justement, quand je, quand je vois ça, je me dis, mais c'est impossible. Qui sont ces personnes qui viennent sur notre sol par bateau entier de clandestins Personne n'est capable de nous donner une réponse. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis absolument pas gêné, et bien au contraire, je suis très fier de soutenir la seule candidate à l'élection présidentielle de 2012 qui a osé poser cette question de bon sens combien de Mohamed Merah arrivent dans chaque bateau de clandestins? Je pense évidemment à Marine Le Pen. Alors, fort heureusement, fort heureusement, même si le quotidien des jeunes, nous le savons, est particulièrement difficile, eh bien, heureusement la jeunesse est derrière nous. Ça vous pouvez en être rassuré. Aux européennes. N'oubliez pas, c'est plus d'un jeune sur trois qui a voté pour un candidat du Front National Rassemblement Bleu Marine. Selon différents sondages, c'est plus d'un jeune sur deux français qui souhaiterait permettre à Marine d'accéder à l'Élysée. Alors je vous le dis, et j'en finirai là pour ne pas trop monopoliser la parole, moi je me fiche éperdument de choquer quelques cambats d'hélices de choquer quelques Valo belkacem de choquer quelques Taubira. Oui, on est le premier mouvement jeune de France. Et oui, la jeunesse vote pour Marine. Je vous remercie. Merci Gaëtan. Alors Philippe, euh, Gaëtan vient de parler donc de, du fondamentalisme et du terrorisme. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur... Euh, finalement comment ce terrorisme petit à petit gagne du terrain sur notre sol et puis est ce que toute cette politique de discrimination positive qui est distillée au niveau de l'état au niveau de, du conseil régional même au niveau d'une commune est ce que toute cette politique de discrimination positive que nous menons déjà depuis plusieurs années n'est pas source aussi de, 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 de propagation du terrorisme? Oula, je vais essayer de, ré, de répondre brièvement. Je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a, je veux dire, on en a parlé incontestablement, un communautarisme, un communautarisme agressif sur des euh, préoccupations religieuses et qui bénéficie, soyons clairs, de la complaisance de bon nombre d'élus locaux pour des raisons purement électoralistes. Et on l'a vu, c'est-à-dire quand on subventionne telle ou telle association, quand on subventionne indirectement une mosquée en attribuant à l'association culturelle machin qui est adossée à la mosquée, quand on fait comme on l'a vu, euh, comme on le voit sur Fréjus, quand la mairie... UMP, en l'occurrence, délivre des, des permis de construire totalement illégaux pour faire plaisir parce qu'en se disant voilà, je vais récupérer des voix. D'ailleurs, ça ne marche pas toujours. Euh, je vais récupérer des voix de ci, de là, etc. Il y a une Quand M. Godin à Marseille fait un certain nombre de choses, quand M. Estrosi subventionne des associations qui fait, le, qui fait le beau, là mais qui subventionne des associations communautaristes parce qu'il le fait. Euh, voilà quand il y a une démission totale des élus locaux de la gauche et de l'ex UMP. Dans ce domaine-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien se rendre compte que le droit de vote des étrangers aux élections euh, des étrangers non européens aux élections locales serait la fin de notre communauté nationale, parce qu'à partir de là, je veux dire, si déjà ils font ça pour quelques centaines de voix, à partir de là, où on ouvre les vannes totalement. Je veux dire, il y aurait, mais... Vous en avez des centaines et des milliers qui se mettraient à genoux pour récupérer les voix et qui feraient tout et n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, vous avez le halal dans le... Parce que c'est ça, le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est demain les piscines séparées, le halal dans les cantines, etc. Vous l'avez forcément parce qu'il y a un poids électoral tel que beaucoup vont se dire, oulala, là là, je vais céder et je vais reculer. Et ça, faut vraiment, c'est déjà une chose dont il faut se rendre compte. Donc, il y a une démission de beaucoup d'élus locaux par rapport à cela parce qu'il y a une pression et il faut voir aussi on, le lien donc avec le pour répondre à la question le lien avec le fondamentalisme est établi le lien avec le terrorisme c'est plus ténu, il y a pas on ne peut pas dire euh, communautarisme égal islamisme et terrorisme c'est un peu plus complexe que ça mais mais je dirais déjà il y a deux types de terrorisme je dirais, il y a le terrorisme du quotidien dont on ne parle pas et que moi j'appelle terrorisme. Je le vois dans certains quartiers d'Avignon. Quand vous avez des populations qui ne sont pas, dans certains quartiers, des populations qui ne sont pas euh, musulmanes, rigoristes, etc., soit on leur demande, en gros, on leur fait comprendre qu'il faut partir parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Et je vois quelqu'un devant moi qui connaît très bien ce problème euh, sur Avignon. Soit. Comme ça se voit, et en tant qu'élu, on en a des exemples, quand vous avez des jeunes musulmans, et notamment des jeunes musulmanes, qui veulent s'intégrer, dont les parents ont simplement envie qu'elles s'intègrent dans certains quartiers, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Elles reçoivent la visite de quelques barbus qui vont expliquer aux parents que si leur fille veut être tranquille, ne veut pas avoir de problème, il faudrait qu'elle s'habille plus traditionnellement. Malheureusement, la réalité en France, dans un certain nombre de quartiers, c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc à partir de là, et moi, moi j'appelle ça du terrorisme du quotidien, parce qu'on fait peur aux gens et parce qu'il faut bien voir que toute la logique de cette expansion communautaire, elle est basée sur deux choses. Elle est basée sur la peur, et elle est basée sur des gains de territoire. C'est une logique de guerre quelque part. La peur, c'est-à-dire on fait peur aux gens. Notre vice-président Louis Alliot a retweeté récemment un prêche d'un imam à la mosquée de Viltaneuse où il dit en gros « vous n'avez pas le droit ». De euh, toucher, de servir, mais même pas de manger, de toucher, de servir, etc. En gros, vous n'avez pas le droit de vous intégrer à cette société. Si vous le faites, vous êtes des impurs, etc. En gros, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une menace vers ceux qui veulent s'intégrer. C'est ça qui est quand même extrêmement problématique. On menace ceux qui veulent s'intégrer, et donc il faut leur faire peur. Et donc, on leur fait peur dans les quartiers, c'est le terrorisme du quotidien, et on leur fait peur évidemment aussi globalement c'est-à-dire que en gros à tout moment, n'importe où, n'importe quand et c'est ça le but du terrorisme c'est quoi c'est en gros vous n'êtes pas tel qu'on voudrait que vous soyez tel que vous devriez être donc nous allons faire en sorte qu'à tout vous ayez peur et il peut vous arriver n'importe quoi à tout moment en tout lieu et en tout endroit voilà c'est ça qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe déjà au quotidien dans les quartiers, et c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qu'on nous promet dans notre pays, si on laisse faire, comme le font les gouvernements successifs, et si on n'arrive pas, enfin, avec Marine Le Pen, à réagir à réagir par rapport à ça et à mettre le haut là par rapport à ça. Il y a un certain nombre de moyens, on en parlera tout à l'heure, mais il faut le faire d'urgence parce que ça prend une proportion et ça va une rapidité. Je pense que tous ceux qui sont élus dans les quartiers, etc., le voient. La vitesse à laquelle le durcissement communautaire se produit en ce moment est quelque chose d'absolument affolant. Et pour rebondir, ce durcissement est affolant. Et en ce qui concerne l'école, eh bien, les enseignants sont formés à, ne, à se soumettre finalement à la volonté de cette communauté, puisqu'on demande aux enseignants d'être neutres au point de ne pas enseigner notre propre valeur. Et les enseignants n'enseignent pas nos valeurs. Et évidemment, si nous nous ne sommes pas capables d'enseigner nos valeurs, eh bien, c'est les le, les codes et les habitudes de ceux qui s'installent qui dominent. Et ce qui est extraordinaire et ce qui est très inquiétant, c'est comme la corporation enseignante, pourtant dont je fais partie, eh bien a été véritablement formatée par les écoles des maîtres, hein, par les, les écoles, les IUFM. Et aujourd'hui, faire de l'éducation civique à l'école, ça se résumerait à un pré-chi sur le vivre ensemble et euh, Najat Vallaud-Belkacem qui justement euh, souhaite instituer dès cette rentrée euh, l'éducation morale et civique et bien l'éducation morale et civique pour Najat Vallaud-Belkacem et pour euh, l'éducation nationale ça se résumera à un enseignement contre le racisme et pour le développement durable c'est tout donc si vous voulez si nous ne sommes pas capables d'enseigner à nos enfants les valeurs de la France, eh bien, il ne faut pas s'étonner de la montée de ce communautarisme. Il, faut, il ne faut pas s'étonner des revendications de plus en plus violentes et importantes de la communauté qui est en train de s'installer et de presque nous dominer. Donc, c'est temps de réagir. Moi, je pense que ça pourrait commencer très facilement à l'école, en étant pourtant une fonctionnaire disciplinée. Moi, je continue à enseigner dans ma classe la morale. La nation, et j'en ai, ai encore le droit, et je pense que ça parle aux enfants. Je pense que si nous faisons de l'histoire, nous enseignons vraiment les savoirs de l'histoire, de l'histoire de France et de la littérature, c'est par ces savoirs-là que très facilement, très simplement les enfants pourront retrouver euh, ce que ça veut dire euh, faire ses devoirs qu'ils n'ont pas que des droits mais que euh, en échange des droits ils ont des devoirs donc je pense que bien sûr le rôle de l'école est très important et puis je pense que tout simplement il faut que les enseignants soient aussi convaincus qu'il faut qu'ils soient fiers d'être français et qu'ils apprennent tout d'abord à nos enfants à aimer la France Alors, si tu veux bien, Stéphane, poursuivre par rapport à ce manque de volonté que toi, tu dois voir aussi euh, à la mairie de Marseille, ce manque de volonté, ou peut-être pas sur la, la, la non-volonté, de, euh, de, de continuer à, à faire vivre les valeurs de la France. Est-ce que toi, tu peux le constater euh, au sein de, du Conseil municipal Est-ce que tu peux le constater au sein du Sénat je le, constate, je le constate effectivement à tous les niveaux, avec un maire de Marseille. Jean-Claude Gaudin qui est à, à l'origine de ce projet qu'il a porté à bout de bras de la plus grande mosquée d'Europe et pour lequel il avait réuni autour de la table les grandes familles de l'islam, y compris les, le tablig et les frères musulmans, dans le seul but de faire plaisir à la communauté électorale ou électoraliste musulmane de Marseille, se moquant éperdument des conséquences qui se produiraient à, à l'usage, si je puis dire, de cette mosquée, ne sachant pas qui euh, y, y prêcherait. Et, et cette, ce projet euh, a finalement avorté parce que la tendance marocaine ne s'est pas entendue avec la tendance algérienne qui ne s'est pas entendue avec la tendance comorienne. Donc. Euh, même au sein de l'islam, il y a déjà une division, grâce à Dieu. Euh, parce que les politiques locaux, de Jean-Claude Gaudin jusqu'à l'extrême gauche, l'extrême gauche qui n'a cessé de combattre le christianisme et les catholiques en particulier, là par contre, et euh, sur le... À la pointe du combat pour la construction de mosquées, notamment cette grande mosquée qui a donc avorté. Et puis, on ne pouvait pas en rester là. Donc, Jean-Claude Godin a tenu à rassurer cet électorat, car il s'arrête là. On ne regarde pas plus loin que le bout de son nez électoral. Et ce sont des petits projets, ou des projets de dimension moindre, qui euh, eh bien, voient le jour, par contre, ici et là, dans les quartiers, comme dans les 13e et 14e arrondissements. Dans le 14e arrondissement, du côté de Sainte-Marthe, dans le quartier de la Busserine, eh bien, la municipalité a fait cadeau d'un terrain de 1100 mètres carrés à la communauté musulmane pour y construire son, sa mosquée, sous le prétexte que le projet de mosquée, le bâtiment lui-même, le coût était trop élevé et que la communauté ne pouvait pas, n'avait pas les moyens d'acheter le terrain. Donc, si vous voulez construire à Marseille et que vous n'avez pas assez d'argent, pour la maison et le terrain. Allez du côté du Vieux-Port, demandez un certain Jean-Claude Godin. Il vous offrira tous les terrains que vous souhaitez. Voilà où on en est, à Marseille, dans la course, dans la course folle à l'électorat ou à l'électoralisme, parce que c'est une puissance, une force électorale à Marseille qui ne va pas tarder, qui fait déjà la bascule dans... Certaines élections, si Mme Samia Ghali a été réélue aux élections municipales de 2014, c'est bien, je ne sais pas moi comment on peut dire, aux cousins qu'elle le doit. C'est à cette communauté à qui elle fait les yeux doux, à qui elle écrit le jour de l'Aïd pour leur souhaiter un bon Aïd. Voilà une démarche qui n'est pas très républicaine. Encore si elle souhaitait de joyeuses Pâques ou un joyeux Noël. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien là qu'il y a une course folle à un électoralisme sans en voir les conséquences ou euh, les ignorer. Après nous, le déluge. Tant que je suis élu, c'est tout ce qui compte. Mais, comme vient de, de, de nous le développer Philippe, il y a, et Gaëtan, il y a des conséquences à tout cela. Car ces gens-là se disent Mais ce pays ne veut plus rester libre. Ce pays est avachi. Ce pays s'offre à nous. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, alors qu'il suffirait un peu de fierté de leur faire savoir qu'ils sont nés, euh, qu'ils ont la chance d'être nés dans l'un des plus beaux pays du monde, et celui qui est si généreux avec ceux qui sont dans la difficulté, qui, est, euh, qui applique la loi sur la laïcité et qui permet une liberté religieuse. Ils devraient se rendre compte que ce pays est grand, qu'il a une histoire dont on peut être fier. Mais quand ils entendent que cette repentance éternelle, quand ils voient une classe politique corrompue et qui est encore aux affaires, quand on voit que dans les rues, devant les yeux des enfants, on défile quasiment tout nu avec une plume entre les fesses, comment voulez-vous qu'ils respectent ce pays Comment voulez-vous qu'ils aiment ce pays Il faut leur donner, leur redonner ce que nous avons reçu, nous, à l'école de la République. Moi, je suis allé à l'école de la République. Et l'on m'a appris la grandeur de la France. Louis XIII, celui qui a mis la France sous la protection de la Vierge Marie. Parce que la France, quand même, nous sommes dans un pays laïque, mais moi je ne suis pas amnésique. Nous plongeons nos racines dans 16 siècles de chrétienté. Merci de ne pas l'oublier. Cela ne fait pas de nous, cela ne fait pas de nous, du peuple français, des gens hostiles aux autres. Mais ces autres doivent se souvenir qu'ici, c'est la France, que c'est une, une terre de tradition chrétienne, mais que l'on peut y trouver sa place pourvu qu'on y respecte ses lois, ses coutumes, ses traditions, son culte d'origine. Mais malheureusement, on ne leur dit pas tout ça. Et puis euh, ces hommes politiques, encore une fois, ces hommes et ces femmes politiques qui eh bien, veulent absolument être réélus, offrent terrain, mosquées, euh, des repas. Euh, Halal, parce qu'on réclame du halal désormais, et plus simplement la suppression du cochon, ça c'est déjà acquis dans de nombreuses écoles. Eh bien, ces gens-là se disent, mais il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Alors la fierté d'être français et un peu de fermeté. Dans la mairie des 13e et 14e arrondissements, nous avons eu un seul problème avec le niqab, un jour de mariage. Un des témoins, ou une, enfin, hein, une, enfin on a su que c'était une au final, parce qu'on n'était pas certain au départ se présente entièrement voilée. À peine le cinémascope, nous lui faisons comprendre que ce n'est pas possible, qu'il y a des lois dans ce pays. Elle refuse de lever son ICAB. Mon directeur de cabinet lui dit, mais monsieur, ce n'est pas, pas possible parce que le mari arrive. Le mari arrive et il nous fait la leçon en nous disant, mais ici c'est la France. C'est la laïcité, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. On lui avait mal expliqué, sans doute. Et nous lui avons expliqué que la laïcité, ça veut dire que les religions ont le droit de s'exprimer dans un certain cadre, qu'il y a des lois pour tous, y compris pour eux, et que tant qu'elle ne lèverait pas son icab, il n'y aurait pas de mariage. Eh bien, il a insisté. Alors nous avons appelé la police, car force doit rester à la loi. Et le mariage a été célébré, parce qu'elle a levé son icab. Elle a fini par le, par le lever parce que nous avons fait preuve de pédagogie, d'explication et de fermeté. Eh bien, le mariage a été célébré. Ensuite, elle a dû, elle a dû le, se remettre en cinémascope. Mais ce n'était plus mon problème. C'était sur la, la, la voie publique qui, dont, la, dont la gestion appartient à M. Gaudin. Mais je suis convaincu qu'un peu de fierté. Un peu de fermeté. Ce sont des gens qui demandent une ligne. Il n'y a pas de ligne. C'est l'anarchie totale dans les cités. Il n'y a plus que deux interlocuteurs. Il n'y a plus d'État. Parce qu'ils ont pris leur jambe à leur coup. On s'adresse soit au dealer, soit au prêcheur. C'est souvent, on fait le, le, le dealer d'abord et le prêcheur ensuite pour se faire pardonner. C'est soit le dealer, soit l'imam. Si l'imam est républicain... Tant mieux! S'il ne l'est pas, comme dans une cité, dans mon secteur, dans le 13e arrondissement, la cité des Oliviers A. Quel joli nom, les Oliviers! Bon, eh bien, un matin, ils ont pris d'assaut un local qui appartient à Habitat Marseille-Provence, qui est un bailleur qui dépend directement de la ville de Marseille. Cela fait des années que ça dure. On sait très bien, le maire de Marseille le sait, que cette mosquée est dirigée par des salafistes. Il y en a une vingtaine désormais à Marseille. Marseille est la deuxième ville salafiste en France. Que fait Gaudin Rien. Que dit Gaudin Rien. Tout va bien entre le Mussem et sa mairie, donc tout va bien à Marseille. Eh bien, donc il laisse là une, une situation, pour l'instant, euh, comment dirais-je, silencieuse, se développer. Mais chaque jour, et surtout chaque vendredi, la jeunesse de ce quartier des centaines des milliers de gamins qui observent le culte musulman se rendent dans cette mosquée où l'on ne sait pas ce qui s'y dit. par contre l'on sait très bien que ce sont des extrémistes qui, qui y font des prêches parce que la classe politique y trouve encore une fois je conclurai un intérêt électoral mais aussi parce qu'elle a peur. la classe politique est complètement émasculée. Et la seule responsable politique y en a, a dans le pantalon, c'est une femme. Elle s'appelle Marine Le Pen. La classe politique a peur de la réaction de ces, ces gens-là, alors qu'ils sont une poignée. Il suffit d'être ferme. Il suffit de leur dire que maintenant, ça suffit, que ce sont les lois de la République qui vont s'appliquer, et que s'ils ne sont pas contents, ils ont eu la liberté de venir, ils auront, eu la, ils auront la liberté de partir. Merci Stéphane. J'aimerais avant de terminer cette table ronde que chacun d'entre nous nous disions Eh bien, nous, au Front National, nous n'avons pas peur. Nous, au Front National et chacun d'entre nous sommes fiers d'être français et chacun d'entre nous devons sortir la tête haute, bien sûr, et l'être dans notre travail. Pour ma part, moi qui avais très peur avant d'être révélé front national au sein de ma corporation j'ai appris à être à assumer pleinement ce que j'étais je ne fais jamais de politique à l'école mais aujourd'hui je peux vous dire que ma droiture c'est à dire parce que j'enseigne ces valeurs d'amour de la france à mes élèves eh bien même les 50% de ma classe maghrébine me remercient et euh, au contraire, c est, c est même, ce sont même des gens qui aiment l'autorité et qui respectent la droiture. Donc je pense qu'il ne faut au contraire pas avoir peur d'assumer ce que nous sommes, d'assumer ce que nous pensons parce que nous avons raison. Donc il y a de l'espoir à savoir cela. Je voudrais ajouter une chose. J'évoquais la la nécessité de leur inculquer les valeurs, l'histoire de France et leur rappeler qu'ils peuvent être fiers d'appartenir à ce pays et qu'ils ont la liberté, à partir de là, d'observer leur culte dans un certain cadre. Il y a des musulmans, il y a des Français musulmans qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient être des patriotes et qu'ils pouvaient observer leur culte sans tomber dans l'excès sans tomber dans le communautarisme, sans tomber dans l'extrémisme et encore moins dans le terrorisme. Ces individus qui se disent français musulmans et pas musulmans de France, ce sont les harquis et ils ont le droit à notre reconnaissance, eux qui ont été si maltraités, qui ont été euh, comment dirais-je, parqués caché cet archi que je ne saurais voir à la fin de la guerre d'algérie ceux qui avaient choisi la france ceux qui ont défendu la france ceux qui ont versé le sang pour la france ont démontré qu'ils étaient des français à part entière. je tenais quand même à ce que cela soit rappelé. Gaëtan, si tu veux bien aussi conclure sur la, ta partie Alors, pour conclure, j'aimerais euh, vous parler un peu un, de mon petit village, le Plessipaté. Un nom bien de chez nous, vous euh, me, me l'accorderez. Eh bien, si vous voulez, moi je trouve qu'il symbolise parfaitement ce qui se passe dans un euh, grand nombre de petits villages français. C'est-à-dire que c'est euh, une ville de 4000 habitants euh, au milieu de l'Essonne. Et jusqu'à présent, nous étions... Peut-être pas des irréductibles gaulois, mais du moins nous étions tranquilles. Avec la politique de peuplement de Manuel Valls, eh bien, on a imposé la construction de logements sociaux dans ce petit village. Et à partir du moment où nous avons eu ces logements sociaux, nous avons commencé à retrouver à la sortie de l'école, d'ailleurs à ne sortir que pour aller à l'école, des femmes dont on voyait à peine le visage. On a commencé à voir le développement d'un restaurant kebab, évidemment halal, je ne vous apprends rien, dont le cuisinier avait une barbe sur laquelle il aurait pu marcher, et qui passait évidemment à Jazeera 24 heures sur 24. À côté de ça, l'insécurité a évidemment suivi. On a eu un incendie criminel à la salle des fêtes et même une tentative d'enlèvement d'enfants dans un village de 4000 habitants. Et donc, pour conclure, j'aimerais essayer de faire un petit clin d'œil au général de Gaulle qui disait « Je ne veux pas que colomber les deux églises deviennent colomber et deux mosquées. » Eh bien moi, en tant que plesséien, je vous dis « Je n'ai pas envie que le Plécipaté devienne le kebab. Donc, nous savons que nous avons raison. Nous savons que nous avons toujours eu raison de mettre en garde la France et les Français sur l'immigration massive, sur les effets néfastes qu'elle implique, que ce soit le communautarisme, que ce soit l'islamisme et aujourd'hui le terrorisme. Stéphane le disait à juste titre cinq attentats depuis le début de l'année. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Nous le tolérerons jamais. Et nous, les jeunes de France, d'ailleurs, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons absolument pas. Et quand nous voyons. Ces, ces quelques jeunes qui, lors des attentats de Charlie Hebdo, ont perturbé les minutes de silence. Lorsque nous avons vu ces jeunes qui euh, se sont affichés sur les réseaux sociaux avec des drapeaux de l'État islamique, eh nous disons que nous n'avons rien à voir avec eux. Nous n'avons aucun patrimoine en, en commun avec eux s'ils sont capables de brandir des étendards aussi barbares que cela. Et ainsi, nous, on va dresser contre eux l'étendard bleu-blanc-rouge, l'étendard tricolore on va dresser l'histoire de la France dont nous sommes extrêmement fiers et nous leur disons si vous n'êtes pas capable de le lever avec nous, si vous n'êtes pas capable à quel point de comprendre à quel point la France est grande et à quel point nous pouvons être fiers d'être français, eh bien personne ne vous retient. Je vous remercie. Euh, si tu veux conclure cette table ronde. Voilà, c'est bien, bien difficile après tout ce qui a été dit. Non, je crois ce que ce qu'on a montré... Voilà, par rapport au thème qui était le nôtre, c'est qu'il y a vraiment des liens réels et fondamentaux entre communautarisme, islamisme et au final euh, terrorisme. Ils sont réels et malheureusement ils risquent encore de s'accroître. Ce que l'on montre aussi, c'est que, Stéphane Ravier l'a dit, il est possible de faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité. Voilà. Et contrairement à tout ce qu'on nous dit, il n'y a pas de fatalité, on peut réagir. Mais en effet, pour réagir. Il faut le vouloir, encore faut-il le vouloir. Ce n'est pas aujourd'hui la tendance de nos actuels gouvernants, ça risque de ne pas durer longtemps. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qu'il faut On voit bien, il faut aujourd'hui arrêter une immigration qui n'arrive plus à s'intégrer. Mais le problème, c'est qu'on n'est même plus dans l'immigration. Même Jean Raspail n'avait pas prévu ça dans ses pires cauchemars, euh, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais il faut arrêter fermement. Il faut ensuite recréer de la mixité sociale dans certains quartiers. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle, vous savez, de mixité sociale, ça veut dire. Faut... Non, aujourd'hui, la mixité sociale dans beaucoup de quartiers, c'est à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudrait remettre une population de toutes origines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il ne faut pas se voiler la face enfin si je puis dire, euh, sur le quartier. Euh. Il faut, pour faire ça, pour qu'on aille faire... Parce que c'est... Vous savez, dans les collectivités, je pense que Stéphane Ravé on, euh, sera d'accord, dans les collectivités, c'est une guerre de territoire. C'est-à-dire, je vais gagner tel quartier. Et ensuite je vais gagner tel autre, etc. Ça veut dire qu'il faut regagner des quartiers. Et il faut regagner des quartiers avec une politique aussi de population et de peuplement qui vient. Mais pour que les gens aient envie de retourner dans un certain nombre de quartiers, bah ça veut dire qu'il faut remettre de la sécurité, il faut remettre de la tolérance zéro, il faut remettre des commerces, des vrais commerces. Il faut remettre des charcuteries, il faut remettre tout ça. Non, mais il faut refaire en sorte que ce quartier puisse à nouveau réaccueillir tout le monde, et que ce ne soit plus un quartier qui soit complètement fermé sur lui-même. Eh bien, je vais vous dire, il y a du boulot. Mais il est faisable à condition qu'il y ait de la volonté. Il faut refuser de subventionner telle et telle association à caractère communautaire. C'est du courage politique. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Je pense que nos maires et demain nos présidents de conseils régionaux en auront assez pour le faire et, à partir de ce courage politique, je pense qu'on pourra inverser la tendance, non pas, comme on le dit, dans une optique de mépriser, de rejeter au contraire. Qui méprise, qui rejette Ce n'est pas nous. On parle du vivre ensemble. Qui ne veut pas vivre ensemble Ce n'est pas nous. Voilà. Nous, on est d'accord. Mais pour vivre ensemble, encore faut-il que tout le monde le veuille. Eh bien, on va expliquer aux gens qu'ils ne le veulent pas. Eh bien, dans ce cas-là, qu'ils eh ne le voudront pas, mais pas forcément chez nous. Et, et ils iront le faire ailleurs. Et que nous, on est d'accord pour accepter tout le monde. Mais à partir du moment où on reste dans un cadre qui suit notre société et qui permettra d'éviter tous les dérapages à l'œuvre aujourd'hui. Voilà ce qu'on espère. Voilà ce qu'on espère sur le régional. Et voilà ce qu'on espère en 2017. Eh bien écoutez, je remercie nos intervenants, je vous remercie aussi pour votre attention et vive le Front national, vive la France et vive Marine